Mikey, Mikey, in the canemua, Bonnie and Bulls was a cana, Pano, why you? Mikey, Mikey, in the canemua, Bonnie and Bulls was a cana, Padebu canone. Acquitter de mon devoir civique et citoyen. C'est pour ça que nous sommes là et comme de coutume, c'est un grand jour aujourd'hui. Et un citoyen qui ne s'acquitte pas de ce devoir, c'est comme s'il n'est pas citoyen, c'est comme s'il n'est pas de ce pays, c'est comme s'il doit l'État, c'est comme les impôts qu'on ne paye pas, c'est même plus que les impôts que vous ne payez pas. C'est pas comme vous devez à votre nation. Hein, alors que la démocratie, elle doit être plurielle. La démocratie, elle doit être libérale. La démocratie, c'est d'abord pour le peuple. Et ce peuple, si ce peuple ne réagit pas en ces temps-là, c'est qu'il y a un problème. Et la démocratie, évidemment, c'est le développement. Hein, ce n'est que tout ça là, la politique qui est là de gérer la cité, tout ça là, c'est compris ensemble. Donc, nous sommes obligés, bon, évidemment, vu notre statut, d'être les premiers à nous acquitter de notre devoir et maintenant donner le bon exemple pour montrer aux autres ce qu'ils doivent faire. Je voudrais demander à toute la population de la commune de Savalou, depuis attaquée ici, je voudrais leur demander de sortir massivement pour aller voter, pour aller porter leur choix sur le candidat de leur choix, si vous me permettez cette tautologie-là. Pour aller porter leur choix, pour aller porter un choix sur le candidat qu'ils auront souhaité. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils sortent pour que nous ayons un bon taux de participation. On n'exige rien à personne, que chaque électeur arrive à opérer son choix pour que, au soir de ce vote, qu'il sache qu'il a contribué au vote, il a contribué à un choix. Et je voudrais les rassurer parce que les dispositions utiles ont été prises par le Sénat, par tous les acteurs de cette élection pour que tout se passe dans la tranquillité, dans la paix. Et qu'ils évitent de faire des attroupements inutiles qui vont créer des problèmes, qui détruisent toute initiative de trouble, qu'ils les découragent. Afin que tout se passe dans les normes, dans la culture, et que soit que la démocratie bourgeoise soit gagnante. Aujourd'hui, c'est le 11 avril, c'est la date qui a été choisie par la nouvelle constitution pour faire la révision de la constitution pour les élections présidentielles. Nous sommes en train de voter. Ceux qui ont pensé qu'il n'y aurait pas d'élection, cela n'engage que nous sommes venus accomplir notre devoir en tant que citoyens et nous invitons, nous profitons pour inviter tous ceux qui ne sont pas encore sortis à sortir pour le faire. Parce que sortir pour voter ne veut pas dire qu'on a forcément voté pour tel ou tel. Donc, pour pouvoir arriver au stade où nous sommes tous libres d'exprimer notre volonté, c'est que des gens ont mené de longues luttes, donc nous n'allons pas en arrière, évoluons, donc c'est un acquis, le droit de vote. Donc aujourd'hui, j'invite tous mes concitoyens à sortir pour justement honorer ce devoir et ce droit qu'ils ont de vote. C'est un sentiment de joie parce que la population de Savalou sont sortis pour voter tranquillement dans la paix. Cela prouve le degré de la maturité des électeurs savalois. Et nous sommes contents. Nous sommes contents et j'invite la population à sortir comme ils sont en train de le faire, accomplir leur devoir civique jusqu'à la fin de l'heure. Du nord au sud, de l'est à l'ouest,